On a fait un appel pour que les gens qui partent en CAO puissent avoir des vêtements propres d'une part, et aussi pour avoir des sacs à dos. Donc il va y avoir pas mal de sacs à dos. Et puis ben, sinon ici, il y a de quoi vêtir quelques milliers de personnes. On est quand même bien organisé maintenant. Depuis un an que c'est en place, on a un bon rythme de croisière, c'est bien. Ça me redonne le moral. Quand j'ai plus le moral, je reviens ici pour voir les gens bosser ensemble. Et vraiment, c'est ça qui me redonne le moral. Là, ils sont occupés à faire une formation. On s'attend à ce que le démantèlement soit des choses très agressives. Là, on va voir démonter tout ce qu'on a monté. On va voir casser et bah, emmener toutes les affaires des gens, etc. Et voir les gens emmener dans des bus, dans des circonstances qui, à mon avis, seront beaucoup plus policières qu'humaines, qu'humanitaires. Donc, bon, il va falloir le supporter sans se révolter. Et c'est un petit peu ça qu'on apprend aux gens. Comment supporter la violence sans y répondre. Je n'attends rien des politiques. On met des tortoirs pour 1500 hommes, on met des abris pour les femmes. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est les détruire, les fermer, simplement pour se faire élire. C'est plus à la mode pour être élu, alors on le démonte. Je trouve ça lamentable.